Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de magie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit tour de cartes, vous allez voir qui est vraiment génial, la méthode est vraiment incroyable. C'est un très bon tour qui vient juste de sortir, donc je vous mettrai la description dans la vidéo. Il ne coûte que 9,90€, donc pour 9,90€, vous avez une petite pépite entre les mains. Vous allez impressionner autant les magiciens que les spectateurs, je peux vous assurer. Faites-moi confiance, c'est un tour vraiment génial. Donc vous montrez un jeu de cartes à un spectateur et vous allez lui demander. Donc vous pouvez le mélanger avant. Ah oui, donc on va le mélanger avant. Allez. Donc vous pouvez mélanger les cartes avant, sans problème. Comme ça. Et vous retournez, vous déposez le paquet. Vous égalisez bien. Vous retournez, vous dites au spectateur, vous allez couper la moitié du jeu, vous allez compléter la coupe et regarder la carte qui est au-dessus. Donc là, je vais me retourner, je vais jouer le spectateur, je vais pas tricher, hein, je vais pas regarder. Donc je vais, alors je regarde juste où je coupe à peu près au milieu, voilà. Là je me retourne, je complète la coupe et je regarde la carte du dessus. Donc je la montre, je ne la regarde pas. Vous demandez au spectateur de la mémoriser et de la retourner et de la mettre au milieu du jeu. Donc là je me retourne et je la mets au milieu du jeu à peu près ici, voilà. Ensuite, vous demandez au spectateur de couper à peu près le quart du jeu et de mélanger ces cartes-là. Vous allez voir, on va mélanger tout le temps le jeu, tout le temps. Donc vous n'avez aucune indication. Vous lui demandez de couper un autre paquet, une vingtaine de cartes à peu près, le quart du jeu aussi. Et de mélanger toutes ces cartes-là. Donc il n'y a que ce paquet-là du dessous qui n'a pas été mélangé, mais vous allez voir, on va le mélanger après. Donc là, on va demander au spectateur de mélanger en riffle shuffle si c'est le faire. Si c'est pas le faire, vous faites une rosace comme ça. Et il imbrique les cartes les unes dans les autres. Donc imaginons, il sait faire un riffle. Donc on va faire un riffle. Là, il y a beaucoup plus de cartes, mais c'est pas grave. Comme ceci, il imbrique les cartes les unes dans les autres. Là, à nouveau, vous avez vu, on a mélangé toutes les cartes ensemble. Là, vous lui dites, vous n'avez pas mélangé le paquet du dessous, donc veuillez couper n'importe quel nombre de cartes, peu importe, il peut couper un petit paquet de cartes, une quinzaine de cartes, vingtaine de cartes. Et vous lui dites de mélanger toutes les cartes du dessous cette fois-ci. Donc, il mélange toutes les cartes. Donc là, vous avez vu, on a mélangé vraiment du début à la fin, tout le temps. Donc, on remet exactement comme c'était le paquet en dessous et le reste au-dessus. Et à ce moment-là, vous prenez les cartes, vous êtes capable de deviner la carte choisie par le spectateur. Donc c'est assez fou puisque vous avez vu, on a mélangé sans cesse tout le temps. Je pense que... Et le roi de cœur. Je suis pas sûr, mais je pense que c'est le roi de cœur. Donc voilà, je regarderai dans la vidéo si c'est bien ça. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Franchement... C'est une petite bombe atomique à mon avis. J'espère que je me suis pas trompé. Donc j'ai envie de me refaire une deuxième démo tellement c'est bon. Franchement, c'est trop bien. Donc vous mélangez devant le spectateur. Hop là. Ok. Vous lui demandez de couper la moitié du jeu. Hop. Je me retourne. Je regarde pas la carte. Je vous la montre. Ok, je la mets au milieu du jeu. Donc là, je me retourne pour la mettre au milieu du jeu à peu près. Je prends le quart du jeu, je demande au spectateur de mélanger, de reprendre à peu près le quart du jeu, de mélanger ces cartes-là. Donc là, c'est ouf parce que on mélange tout le temps. Là, on fait un riffle shuffle ou une rosace. Hop. Ici, on lui demande de mélanger les cartes du bas. Donc ça, c'est pas obligatoire, mais vous pouvez lui faire faire. Il mélange toutes les cartes du bas. Il remet comme c'était. Et nous, on est capable de deviner la carte. Je pense que c'est cette carte-là. Donc, je vous montre. Je pense que j'ai choisi le roi de trèfle. Voilà. Donc, voilà. Vous trouverez à chaque fois la carte. C'est ouf parce que vous mélangez tout le temps. Voilà. Franchement, n'hésitez pas à l'acheter pour 9€. Vous aurez vraiment une petite bombe atomique. J'espère que ce tour vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé le tour. N'hésitez pas à l'acheter. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner. À très bientôt, les amis. Merci.